Donc là nous sommes où Laurent? Hein? Saint-Dalmas de Val-de-Blore. Et nous allons visiter déjà la crypte. Mais c'est original parce que j'ai jamais vu d'église que tu descends. C'est pas faux. Mais on va aller voir la crypte. C'est ça qui est à voir. Très original. Alors on va passer par là et après on ressortira par là. Je suis content que ce soit ouverte. Très belle crypte.
les pommes de Val-de-Blore. Bon, celles-là, elles sont pas hyper, hein. Elles sont pas mal abîmées, mais voilà. Et après, t'as... Comme quoi, il y a des pommes à Val-de-Blore. Voilà. C'est pas des mensonges. Ils font vraiment avec les pommes de... Alors, elle nous a dit, la dame, c'était avec des pommes d'ici et des pommes d'Entrevaux. L'école de Saint-Dalmas est belle, belle école. Regarde cette petite mémoire. Attends. Donc le versant orienté nord sur lequel se trouve s'appelle Lubac. En hiver, il reste à l'ombre. De plus, sapin et épicéa forment une dense couverture sombre, d'où le nom de bois noir. La forêt a toujours été une ressource essentielle pour les habitants. Ici, les bûcherons coupent les arbres pour plusieurs utilisations. À quoi sert le bois prélevé dans le bois noir? Donc tu as la réponse. Ils sont énormes. C'était quoi ça? Oh, y a les mamans avec les... Mais bonjour. Oh. Vous avez vu les crocus qu'il y a? Ah. Et allez, il y en a un, il est content de nous voir. Il fait sa crotte. On a faim. Hein? Eh oui. Ça mange et ça se repose. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez de mieux? Si c'est pas une belle vie, ça. Super beau. Et puis, purée, elle se porte bien. C'est là. Ah, tu crois? Ah, c'est possible. Vous êtes belle, madame, très belle, et vous vous portez bien. Et toi aussi, c'est marrant, toi. Un peu sombre, je trouve. C'est vrai qu'elles sont assez. Elle, tu vois, je pense que tu as raison, hein. Elle attend le veau dans pas longtemps parce qu'elle est énorme. Hein. Attention.
sont tous grands. Donc on a lu sur un panneau que ce sont les sapins, les pins qui vivent le plus longtemps, enfin les épicéas, et que ici on peut en trouver qui ont 1500 ans. Alors ici, enfin dans les Alpes. Donc voilà, là on est au collet du Puey à 1334 mètres, et par là on va ou bien à la Roche ou bien à la Boline. Donc là vous voyez tout le bois qui a été coupé, ramassé. Alors il y a du bleu, du orange, du rouge et du vert. Voilà. C'est pour faire des mi-cadeaux. Géant. Voilà. Géant. Donc ben, ils ont déjà mis les couleurs. Quoi. 15, 19. Super cabane. Non, non, vous inquiétez pas, non. Après, vous risquez d'être sur la vidéo, mais voilà. Mais voilà, non. C'est pas grave. Je vais pas vous gâcher la vidéo. Ah, non, pas du tout. Ça va pas gâcher. Donc, eh bien, voilà. On a fini, je pense, oui, le parcours. Et on arrive à maison forestière. Mélèze. C'est très intéressant. C'est super intéressant, ça. Ouais. Alors voilà, on a les explications des couleurs qui étaient sur les troncs. Bon, et alors celui-là? Et celui-là? Alors celui-là, c'est il se compte. Hein? Il faut compter les cernes. Voilà. Ils auraient pu marquer. Donc voilà, là vous avez un tronc de mélèze qui a été coupé en 1860. Vous voyez la taille. Celui-là, il a été coupé en 1931. Celui-ci en 1947. Celui-ci en 1960, donc il a à peu près mon âge. Et celui-ci, ben, en 1979. Très intéressant. Et la cabane est très belle. Elle est vraiment très très belle. Ben voilà, c'est une balade. Il n'y a pratiquement pas de dénivelé.
Après, je sais pas, il doit y avoir bien voilà, 3 km. Et c'est très intéressant. Donc voilà où on va pique-niquer. C'est juste en dessous, en face de la cabane. Alors on n'est pas tout seul, hein. Il y a d'autres personnes, mais c'est vraiment un coin très sympathique. Fort sympathique. Fort sympathique. Alors. Voilà, donc on a pique-niqué là, sur cette aire de pique-nique, vraiment très sympathique. Non, c'est chouette, de belles tables. Elles sont très grandes, on peut vraiment y aller à plusieurs. Cabane. Alors on est parti à la recherche du vieux sage. C'est un arbre, un sapin qui fait 35 mètres de haut. Et on est arrivé au col de Serena à 1300 et quelques mètres, 1305 je crois. Et là on va voir le belvédère de la Serena. Et là donc on est vraiment en immersion dans la forêt. On peut dire là qu'on sent forest. Et nous voilà arrivés au belvédère de la Serena. Eh bien, c'est superbe. Donc, Saint-Dalmas, d'où on est parti, la Boline ou la Boline et la Roche. Ici, ah ouais, on a une vue exceptionnelle sur Rimplas. Rimplas ici et le blocos de Rimplas, énorme. Et là en face là, c'est il y a les demoiselles coiffées là. Il y en a à deux endroits ici et là. Alors j'étais allé mais j'ai pas vu là, celle-là là. Donc ouais, superbe. Voilà, mais après, alors, c'est vraiment un tout petit détour, mais qui vaut quand même le détour. Après, le belvédère de la
de la Serena. Ah, vous voyez, un beau petit sentier. Comment il vient ? Voilà. Bien moelleux. C'est cool. Ils sont mûrs. Et elles sont mûres, mûres. Elles sont bonnes. Et alors, on va manger ça, puisqu'on est obligé. Un peu acide. Ben, la première que j'ai mangée était bien mûre. Mais tu vois, à peine je l'ai tirée, elle a... C'est normal. Hein. Alors, bon, on verra pas. Non. Mais il y a des champignons sur ce tronc et il y a un trou de pic noir. Voilà. On a localisé un. Je comprends. Les grands arbres. On a vu. Tout ça, c'est le bois noir. Ah, tout ça, c'est... Ouais. Et nous, là, on va redescendre sur Saint-Dalmas. Donc là, ça va redescendre. Donc là, on est dans une forêt plutôt de pins sylvestres. Il y a encore du sapin, mais il y a beaucoup plus de pins sylvestres. Tempête Alex. Je vois. Ouais, effectivement. Hein. Belle éboulie. Ça a dû faire du bruit à ce moment-là. Donc là, on arrive à la hauteur de à l'allée, là où il y a eu les vaches. Alors on le sait parce qu'il y a le fil électrique. Et surtout, il y a l'odeur. Très beau, le retour sur Saint-Dalmas. Très sympa. Alors ici, c'est aussi le pays des cimérodons. Bon là, c'est pas... Alors déjà, c'est rare d'en voir autant.
et aussi gros, mais encore c'est pas les plus gros qu'on a vus. On en a vu que bientôt c'était des tomates. Des petites tomates, mais quand même. Les tomates.